Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un masterclass un petit peu particulier puisque c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, Georges et moi. On va vous parler du bet slider, c'est-à-dire un petit peu les étapes de création de ce leurre à pas, plus exactement porte à pas. Georges est avec moi pour en parler. Salut Georges, comment vas-tu ? Écoute, ça va bien, en ces temps de confinement, on s'occupe, hein, et bon, j'imagine que je suis pas le seul, et voilà, on a final, c'est de retourner sur le fil. Alors, ce bet slider, c'est une création 100% Pesca Nautique et Kawan. Son histoire, elle est vraiment magique. Parce que je me souviens encore de nos conversations, Georges, où je te parlais des pêches qu'on faisait nous en Méditerranée avec des calamars morts, des calamars surgelés, Pexéo pour pas les citer. Et je t'ai dit, écoute, Georges, il faut que tu me trouves quelque chose parce que on a des montages un peu archaïques et je voudrais que tu nous trouves quelque chose sur la base d'un Ninchiku ou d'une forme un peu qui pourrait penser à un Ninchiku et surtout qui soit coulissant. Et à partir de là, tu as réfléchi au projet et là, je te laisse en parler parce que il y a des étapes très intéressantes qui, je suis sûr, vont intéresser les utilisateurs du Baitslider et donc les pêcheurs. Oui, bien sûr. Bon, alors c'est un produit vraiment innovant, hein, comme tu l'as souligné, qui répond à cette problématique initiale, celle de présenter un gros boucher, un calamar inerte. Et de la rendre le plus prenant possible, le plus attractif possible, avec un porteur adapté. Voilà. Et comme tu l'as souligné, il fallait que cette monture soit en plus débrayable, de façon à vaincre l'inertie d'un plomb de la monture en elle-même lors de la touche. Oui, et puis, ce qui était un petit peu compliqué à trouver, c'était aussi que l'appât ne tourne pas autour du... Ça, c'est la problématique majeure pour toutes les pêches au leurre à pas. On a souvent des présentations qui sont vraiment désolantes parce qu'on passe à côté du potentiel de toutes ces montures porteuses. Et en l'occurrence, là, sur un calamar de quasiment 20 cm, voire plus, hein, là, on se rend vite compte que la monture en elle-même... c'est comme les têtes plombées, c'est une tête plombée à la base, hein, en fonction de sa forme, de ses caractéristiques. La monture, on va passer complètement à côté, et donc il a fallu travailler sur ce projet-là, et c'était vraiment un vrai challenge, hein, avec des gros appâts. Empêcher que ça tourne, que ça brille, et que c'est une présentation vraiment rédhibitoire pour les poissons. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette fameuse agrafe que l'on trouve d'origine avec le bet slider. On avait donc cette problématique de maintenir un appât, de le faire nager, l'empêcher de tourner sur son axe en fait. Et on a résolu le problème, là je vais le montrer à l'écran, on a résolu le problème par rapport au bet slider. On a un petit sabot ici, là, je pense qu'on va le voir, hein, un petit méplat. Et finalement, l'agrafe va venir se positionner ici sur ce méplat, une fois le système verrouillé, et ça va empêcher l'èche de tourner sur elle-même. Voilà, c'est ça un petit peu une des clés de cette monture, hein, c'est vraiment empêcher l'ensemble de tourner et de tire-bouchonner. On sait que c'est rédhibitoire, hein. Au Ténia, on voit les crevettes qui sont présentées en demi-cercle, là, on a des petites vidéos, il faudra peut-être les passer un de ces quatre pour montrer à quel point, c'est absolument pas naturel et la différence d'un appât bien présenté, elle est majeure, hein, en pêche. Mmh. Tu peux nous parler évidemment du côté débrayable aussi, puisque c'est un atout. Donc, le côté débrayable, une fois que votre calamar ou n'importe quelle hèche est verrouillé sur donc le sabot, à la touche, l'ensemble va coulisser, va venir
débrayer. Et ça, c'est hyper important. Je vais donner un exemple. Quand on a fait les essais, je passe tout de suite aux essais, hein, parce que on parle des phases de conception. Hein. Ça a pris une bonne année. Hein. On a travaillé là-dessus une bonne année. Et quand on est passé ensuite aux phases de test, on s'est intéressé à différents types de poissons, mais on a fait des essais assez rapidement parce que cette monture, elle permet aussi de porter un crabe, hein, de la même façon. Et moi, j'étais surpris parce que le côté débrayable, justement, par rapport à un poisson comme l'émissole, un petit requin qu'on trouve en estuaire par chez nous, si la monture, l'appât reste solidaire de la tête plombée, je pense au fireball notamment, hein, qui n'est pas débrayable, on pourra faire du poisson, mais il y aura énormément de refus. Tout simplement parce que techniquement, l'émissole, le petit requin, hein, comme les raies d'ailleurs, va se saisir de l'èche, va l'emporter et à un moment va se retourner pour l'ingérer. Donc s'il n'y a pas ce côté débrayable, le poisson va revenir sur l'appât, mais on ne va pas avoir cette efficacité due à l'inertie du plomb, hein, du porteur. Voilà. Et là, ça a été tout de suite bingo. Donc, ça permet d'avoir ces poissons qu'on pêche normalement avec une très longue empile. Hein, les empiles font jusqu'à 1,20 m. Bon, on n'a pas la touche en direct. On laisse partir le poisson avec. Là, c'est vraiment quasiment du direct. Voilà. Oui, alors je t'entendais parler du crabe. Là aussi, on peut en parler puisque on a voulu gérer plusieurs problématiques avec ce bait slider. Tu as tout à fait raison de dire qu'à l'origine, ce que l'on voulait, c'est écher de la manière la plus simple possible, mais aussi la plus efficace possible, un calamar mort. Mais on a tout de suite aussi dérivé sur la possibilité de monter d'autres appâts. C'est là que c'était aussi très intéressant quand on a commencé à fixer des crabes et de constater qu'on pouvait fixer plusieurs, un grand nombre de d'appâts vivants ou morts. Ah bah tout à fait, oui, ça nous a donné assez rapidement le tournis, hein, parce qu'on s'est rendu compte que finalement c'était une solution, le porteur, le système en lui-même, il est extrêmement polyvalent. Il ouvre des perspectives nouvelles dans cette famille de produits. En parlant du crabe, puisque moi j'ai... Alors on parlait des essais que tu as fait sur les missoles, je me souviens aussi... Les premiers prototypes que l'on a réalisés. Je me souviens les avoir essayés également en Corse. J'étais après le salon de Solenzara. Alors j'étais très excité d'essayer ces prototypes et de voir le concept de la graffe, de voir si la panne n'allait pas tourner. Et effectivement, non seulement il tournait pas, mais il avait cette faculté de s'adapter au courant. C'est-à-dire qu'on avait ici le bait slider qui se positionnait comme ça, c'est-à-dire qui s'appuyait sur le courant, et ensuite le calamar qui, lui, avait une présentation parfaitement horizontale. Donc, par rapport à tous les systèmes, tu parlais du fireball. Le fireball, lui, est assez rigide comme présentation, et il n'est surtout pas coulissant. Là, ce que l'on a pu s'apercevoir sur les pagres, précisément en Corse, c'est que cette présentation était déjà s'adaptait à tous les types de courants, puisque s'il y avait un courant fort, le bait slider s'appuyait de cette manière verticale sur le courant, ou si le courant était très faible, on avait une action linéaire tout à fait naturelle, mais aussi cette capacité pour le calamar à présenter et à onduler d'une manière complètement naturelle, et de suite, on a eu de très très belles touches. Et est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que cette présentation d'appât et ce porte-appât a tendance quand même à cibler les gros spécimens? Chez moi, en tout cas, le bait slider avec un calamar mort, c'est toujours un gros spécimen.
Ah, alors, je dirais que c'est l'avantage aussi d'avoir une monture qui permet de présenter de grosses bouchées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'ose pas toujours. Hein. Moi, je pêche sur la côte nord du Finistère, hein, jusqu'à la rade de Brest. Je descends un peu en rade de Brest, de Douarnenez. Et on a de gros poissons, hein, toujours. Mais on n'est pas forcément convaincu qu'ils sont toujours à poste, qu'ils sont toujours là, qu'ils n'ont pas été prélevés, etc. Et dès les premiers essais, en parallèle avec toi, quand tu étais en Corse, moi, j'ai fait des essais en rade de Brest. Et ça m'a permis de débusquer de gros pagres, hein, jusqu'à 7 kilos quand même. Ah ouais. Sur des secteurs hyper sollicités au Ténia ou au Kamoura, quoi. Hein. D'accord. Donc, et moi, je me suis rendu compte, et là, on en revient toujours à la particularité du porteur, hein, comme tu l'as dit, épouser les courants, mais aussi épouser par sa forme les reliefs. Donc, ça permet quand même, sur des endroits assez marqués où les poissons se tiennent à poste, je pense au chaos de roche, je pense aux failles, à tous ces secteurs finalement qu'on hésite à travailler, ça permet d'accompagner la grosse bouchée à l'endroit où il faut et de la faire évoluer. Et ça a été bingo quasiment tout de suite. Voilà. En plus, comme tu dis, quand le courant appuie sur le best slider, avec un grammage quand même qui reste raisonnable, hein, parce qu'on est parti, le minima chez nous, c'est 20 grammes, hein, c'est 20, 40, 60 et 100 grammes. Oui, absolument. Un calamar de 20 cm, pour donner une idée, hein, quand même, c'est une grosse bouchée, on peut le faire évoluer sur un 40 grammes, sans problème. Voilà, ça va tenir vraiment la route et ça va, comme tu disais, épouser les reliefs en prenant appui sur le courant. Et la petite... vraiment, c'est ce qui nous a donné aussi une problématique à résoudre. C'était vraiment cette forme particulière, je pense qu'on la voit ici, là, en forme de catamaran, un coq de bateau. Ça, on a travaillé un petit moment, on est resté plusieurs mois à essayer de résoudre cette problématique vraiment d'avoir cette monture nageuse qui accompagne les reliefs et sur lesquels on a la main. On a vraiment la main là-dessus. Oui, ce porte-à-pas a vraiment un comportement marin, c'est-à-dire qu'il épouse les veines de courant, l'intensité du courant, c'est-à-dire qu'il se comporte à tout moment comme il faut dans l'eau, avec toujours la possibilité effectivement de varier les grammages. Tu parlais de la taille d'un calamar et de la possibilité de mettre un baitsider de 40 grammes, mais tu serais encore une fois surpris de voir que même chez nous en Méditerranée, dans des conditions vraiment très calmes, avec une mer plate, pétole comme on dit chez nous, on peut mettre un baitsider de 20 grammes et l'envoyer à 80-90 mètres. Alors pourquoi ? Parce que d'une part, on a juste besoin d'entraîner l'appât au fond. Et il ne faut pas oublier qu'il y a le poids de l'appât aussi. Et un calamar mort de 20 cm pèse son poids. Ce qui se passe, c'est que si on jette un calamar mort dans l'eau, il va évidemment flotter. Mais si on l'entraîne avec un tout petit peu de poids, ben là, il va descendre. Et même avec 20 grammes, on peut entraîner un calamar de cette taille à 80, 90, peut-être même plus. Et c'est là qu'on devient très efficace, parce que quand on a un calamar qui évolue à 80 mètres d'eau avec un poids de 20 grammes, ça veut autant dire qu'on n'affecte absolument pas la présentation, qu'on ne bride pas la présentation ou la nage du calamar. Et j'essaierai dans cette vidéo d'insérer une vidéo dans un aquarium qu'on avait fait avec un bait slider et un calamar, et c'est vrai que la nage est juste magique. Est-ce que toi, de ton côté, tu as essayé, comme on pêche nous beaucoup en Méditerranée, avec un calamar vivant ? Alors oui, ça m'est arrivé d'utiliser du calamar vivant, mais sur un temps de pêche, c'est toujours la même problématique. Hein. Dès qu'on essaie de travailler des éches vivantes, ben, il faut déjà les choper et ensuite il faut les garder. Donc, je me suis limité vraiment à ce qu'on avait défini comme cahier des charges, c'est-à-dire travailler avec des produits faciles, pratiques à mettre en œuvre et faciles qu'on peut se procurer facilement. Quoi. Mmh. Donc,
finalement, le vivant, c'est resté assez secondaire. Mais évidemment, c'est un must. C'est un must. Bien sûr, c'est un marbre vivant, forcément. Disons que la difficulté, elle réside dans la capacité à faire nager un appât mort. S'il est vivant, c'est l'appât qui... La cerise sur le gâteau. Voilà, c'est l'appât vivant qui fait le job. D'ailleurs, petite parenthèse, on a le même problème que vous, ciblez le dentil, l'épagre au calamar vivant. On a la même problématique ici sur une zone géographique complètement différente, avec notamment les lieux et les bars là qui sont sur du lançon. Et ici, la pêche au lançon vivant, c'est une pêche traditionnelle, hein, quasiment. Hein. Donc là, donc Fabien pourra nous en dire un peu plus d'ailleurs, je pense, parce qu'il a fait aussi des essais sur du lançon mort. Quand on utilise des lançons morts par chez nous, les résultats sont assez déplorables. Hein. Donc, et la problématique, quand on part, bah, si on n'a pas de lançon vivant, on passe à côté et souvent on s'interdit de pêcher. Mmh. Là, ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne dans toute la colonne d'eau. Ouais. Bon, on a beaucoup parlé de la possibilité d'écher un calamar. Je voudrais revenir au crabe parce que ça reste aussi un appât roi pour le bait slider. On verra dans cette vidéo comment écher un crabe. Toi, comment utilises-tu le bait slider avec un crabe ou d'autres aies? Alors, avec un crabe, évidemment, en crabe, j'ai parlé de l'émissole tout à l'heure, mais sur les zones à émissole, on a aussi de la royale. Et lors des phases de test, notamment avec notre ami Pascal, là, on a fait plusieurs essais sur la royale, quasiment à poste, hein, ou en dérive lente. On a obtenu un nombre de touches impressionnant, donc ce qui signifie quand même que les royales qui sont parfois méfiantes, etc., elles répondent bien à la présentation de l'appât sur le bait slider. La problématique, elle vient souvent de, non pas de l'accompagnement, parce que la monture est débrayable, mais de l'échage du crabe. On a souvent des comportements assez particuliers de poissons ici, où on va pêcher non pas des poissons, parce que les royales peuvent être à poste, hein, attendre que la manne leur arrive dans la bouche. Et là, souvent, les touches sont, ça nous est arrivé aussi, hein, mais les touches sont très franches et en général, c'est one shot. Hein. Le poisson part avec le crabe. Et puis, comme pour les missoles, hein, le fait de que ce soit débrayable, on va entrer en contact, on va ferrer, ça y est, c'est pris. Alors, comment toi, tu utilises le bait slider avec un crabe pour la royale? Alors, moi, je choisis évidemment un gabarit de crabe qui va... tu vas parler de l'échage, je pense. On va faire un petit zoom sur l'échage. En fait, je vais passer la graffe dans les pattes arrière, hein, dans les canaux qui rejoignent les deux pattes arrière du crabe. Et ensuite, je vais utiliser un montage qui est un montage wishbone, deux hameçons déportés, que je vais passer en enlevant aussi des pattes, que je vais passer de chaque côté du crabe, par-dessus ou par-dessous. Parce que là, je disais tout à l'heure, il faut être humble. On a d'autres solutions. On pourrait mettre un seul hameçon aussi. Pour l'instant, on n'a pas résolu cette problématique d'avoir un échage hyper efficace. Je ne sais pas comment on va s'y prendre. Hein. Travailler les demi-crabes, on ne l'a peut-être pas assez fait non plus. Cette année va nous apporter, je pense, la solution ou les solutions les plus probables sur ces poissons quand même vachement difficiles. Comment tu utilises le bait slider? Quel type d'animation tu fais pour pêcher les dorades royales au bait slider? Alors, moi, je dirais pas d'animation. C'est vraiment un cas de figure particulier où je parlais donc des zones d'estuaire. Hein, ce sont des zones calmes. Les poissons vont se déplacer en fonction de la marée et des coefficients. Et en fait... on va pêcher quasiment en stand-by, c'est-à-dire qu'on va toucher le fond, on va dérive minimale, hein, et on va pêcher souvent à poste ancré. C'est là qu'on va être le plus efficace. Donc on va présenter tout simplement le crabe sur le fond. Est-ce que tu grattes un peu? Est-ce que tu fais gratter un petit peu le bait slider? Prendre contact et soulever quelques sédiments, hein, je sais que sur certaines pêches ça fonctionne très bien. Je ne suis pas persuadé que sur la Royale ce soit forcément super efficace.
je pense que justement, il faut avoir un montage qui s'immobilise sur le fond, qui soit le plus naturel possible. La dorade va être interpellée, hein, et elle capte ce qui se passe. Elle va venir, elles vont souvent faire deux, trois passages, taper une fois dedans, revenir, etc. C'est vraiment la problématique de la royale. Poisson difficile. D'accord. Alors, pour le, tu parlais de la royale, mais effectivement, le pagre est aussi très, très, très réceptif au crabe. Et on a essayé, nous aussi, dans des conditions, quand c'est un petit peu mouvementé, quand la mer est un peu mouvementée et qu'on a, beaucoup, beaucoup de dérives, où là, le ténia atteint ses limites. On essaye on bascule tout de suite au bed slider. C'est pour ça aussi qu'on a fait des bed sliders maintenant de 100 grammes pour pouvoir les envoyer dans du jus et de parer un peu à la dérive. Et là, en grattant le fond, par contre, on a très 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 bon résultat sur le pagre, hein, parce qu'il est très agressif, très curieux. Et le fait de gratter, contrairement à la royale apparemment par chez toi, le fait de gratter un petit peu sur le fond, c'est très efficace. Est-ce que tu as, je connais déjà la réponse, mais je pose la question, quel autre type d'appât as-tu utilisé sur le bed slider? Alors, sur le bed slider, on va souligner quand même que c'est un produit relativement nouveau, hein, et que même si on aimerait passer plus de temps sur l'eau, à chaque fois le temps est quand même assez limité. Donc, même si on a un programme, cette année devrait être la consécration du bed slider en utilisant des vers, notamment des arénicoles. Pour moi, c'est ce qui m'a. C'est ce qui m'a vraiment interpellé en fin de saison l'année passée. Quand j'ai commencé à utiliser des arénicoles dessus, je me suis fait dépouiller. Alors, il y a des poissons parasites, hein, évidemment, un ver, ça plaît à tous les poissons. Mais je me suis rendu compte aussi que, toujours pareil, on parlait des perspectives, là, elles sont excellentes. Poissons plats, voilà. Petite parenthèse, quand tu me demandes le type d'appât que j'ai pu utiliser aussi et tester, donc les vers programme en cours, on va dire, très prometteur, mais plus facile à utiliser sans doute, des morceaux, hein, on parlait des calamars entiers, mais on peut utiliser des lanières de calamars, des têtes de calamars, et là, en pêchant par chez nous, j'ai commencé à découvrir des poissons dont je ne soupçonnais pas l'abondance, comme les raies par exemple, qui sont intéressantes à pêcher. Elles répondent très très bien aux lanières, aux gros morceaux d'encornet, aux gros gueulards d'encornet, quoi. On sort un peu du programme dorade grise, petit sparidé, hein. Là on passe vraiment, on reste sur des grosses bouchées, mais ça motive vraiment des poissons assez exceptionnels. Mmh. Et là on peut travailler toute la colonne d'eau, hein, pareil, hein, du fond, en dérive assez appuyée. Et puis ensuite, quand on prend la main, la monture nage, elle évolue dans toute la colonne d'eau. Finalement, ça intéresse tous les poissons. Hein. On ne va pas parler beaucoup des pélagiques, mais rien que en calculant le bon poids du bed slider sur des dérives très appuyées, hein, je pense à 4-5 nœuds, c'est relativement courant ici, on a des dérives qui sont liées au vent, la monture, elle travaille quasiment toute seule. Et le bar qui se balade dans la colonne d'eau, par exemple, il ne résiste pas à une grosse lanière d'encornet. Ça, c'est connu, hein. Et ça marche super bien. Le lieu aussi, hein. On a fait des très jolis lieux comme ça à poste. On t'écouterait des heures, Georges. J'ai une dernière question, ça concerne la polyvalence du porte-à-pas, parce que là, on a parlé du montage calamar, du montage crabe, sur lequel on peut adapter différents vers ou des moitiés de crabe ou des moitiés de calamar. Mais nous avons fait aussi beaucoup d'essais avec d'autres montages. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, je pense que tout à l'heure, on a parlé des montages wishbone, hein, celui qui est proposé en blister sur le montage crabe, qui est illustré d'ailleurs derrière le blister. En fait, une des capacités du bed slider, hein, on va le présenter comme ça, au-delà de la graffe, il y a un petit tube qui vient coincer ce brin de tresse qui coulisse, hein, dans le porteur, et ici on a un anneau soudé. Sur l'anneau soudé, on a nos deux brins de tresse montage wishbone avec l'hameçon. On s'aperçoit que
très facilement, on peut faire évoluer le montage, et finalement à partir de ces brins de tresse, soit le faire coulisser en faire un montage tandem, voilà là, soit reprendre à partir de l'anneau soudé le montage qu'on imagine, le montage qu'on veut. Donc ça permet de l'achage, on sait que c'est hyper important, nous on travaille déjà, petit point de détail quand même, mais qui a son importance, on travaille avec BKK, on a des hameçons qui sont sûrs, c'est une des clés finalement de la réussite en pêche. On peut vraiment le faire évoluer ce montage et présenter du bivalve, on en a très peu parlé, mais franchement, je dirais on peut quasiment tout présenter là-dessus. Quoi. Non, on n'a pas parlé des crevettes, des grosses crevettes aussi. Bien sûr. Ça aussi, on a plein de choses. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Bien sûr, c'est un leurre, un porte-à-pas sur lequel on pourrait parler des heures. Il y a aussi un autre montage qui est bluffant. C'est celui avec, voilà, je te vois sourire, mais qui est celui, en fait, avec... on a le même avec l'assist d'un water drop, puisque là, on se retrouve... Donc, juste, j'explique aux pêcheurs. On garde le plomb, on conserve que le plomb, et puis on prend notre assist du water drop, et on l'enfile comme un water drop. Donc là, on retrouve les caractéristiques du bait slider sur sa capacité à s'appuyer sur le courant et à s'adapter aux vannes de courant. Et on a la jupe qui, elle, va venir avec les imitations de tentacules de calamar et avec des petits morceaux de calamar qui va venir évoluer. Alors là aussi, par rapport pour la prospection de toutes les couches d'eau, pour les poissons type dorade grise ou pajot ou dorade rose, là, ça devient aussi... à l'heure super super efficace. On parle même pas des pélagiques par chez nous, hein. Ouais. Les lieux et les barres là, mais c'est dingue, hein. C'est un peu ouais. Fou. Ouais. Ah. Ouais. Alors des petits leurres souples, là, on peut mettre des petits leurres souples aussi dessus, le porteur permet de ouais. Présenter du leurre souple, donc ce qui est quand même intéressant. Et ça fait bouger les poissons. Quoi. On peut le travailler, alors on n'a pas parlé trop de l'animation. Moi je dirais que pour tous les leurres à pas, trop d'animation, tue l'animation, hein. C'est on connaît. Maintenant. Ce qui est intéressant avec le bait slider, c'est qu'à partir du moment où on a des amplitudes d'animation pour accompagner l'ensemble, c'est une monture clinage, on va pouvoir le faire évoluer. Voilà, de la même façon que le courant prend un coup dessus, on va pouvoir le faire glisser finalement et le rendre encore plus attractif. Oui, alors c'est une très bonne remarque que tu viens de faire, parce que la différence entre un leurre et un leurre à pas ou un porte-à-pas, c'est que... l'appât joue un rôle essentiel en termes d'effluves et si on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur l'importance de l'échage, si l'appât est bien léché et bien présenté, on n'a pratiquement plus grand chose à faire si ce n'est qu'à choisir de le faire évoluer sur le fond et d'épouser le relief comme tu disais tout à l'heure, ou alors choisir sa colonne d'eau avec des amplitudes plus ou moins fortes pour le faire un peu évoluer doucement, mais pas d'animation type saccade, pas de grande tirée, pas de... voilà. Ouais, tout à fait. Éviter les saccades d'une façon... C'est contre-productif, hein, ça on le sait. Et puis après, dernier point, c'est quand même aussi quelque chose hein, qui va intéresser, je pense, des pêcheurs qui ont souvent une canne chance ou qui lâchent une canne à l'arrière du bateau. Une fois qu'on a défini sa, je pense à toute la colonne d'eau, là, sa profondeur de pêche, hein, son niveau de pêche, on va pouvoir la faire travailler tout simplement avec la dérive. Voilà. Hein. Voilà hein. Et quoi de plus naturel que la dérive ou le mouvement du bateau sur les vagues pour faire évoluer son leurre à pas. Absolument. Ouais. Ok, bah écoute, très bien, merci, merci beaucoup Georges, on pourrait en parler des heures de ce bait slider. J'ouvre une petite parenthèse au niveau des cannes que l'on utilise pour le bait slider. Alors cette année,
Nous avons sorti la 3007 Belksider, qui est une action light, qui s'adresse donc à des Belksiders ou d'ailleurs à d'autres leurres, hein, de grammage compris entre 20 et 60. La nouvelle 3007 Belksider avec une action un peu plus strong, un peu plus puissante pour les gros grammages et les gros appâts, sera disponible, je dirais, d'ici de fin 2020, début 2021. Mais on aura l'occasion de vous en reparler. Sur ce, encore un grand merci, Georges. J'espère que la connexion a été correcte pour qu'on puisse diffuser cette vidéo. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci, Guillaume. Merci à vous. Au revoir.